Cet épisode commence avec Azim, qui est dans une pièce de la maison tout seul et prend l'information de l'état de santé de Kerim par téléphone. Une fois terminé, il repense au jour où elle lui a dit qu'il devait faire ce qu'elle dit, ce qu'un jour, il finira par perdre son fils. Puis il voit par la fenêtre Sinan et Yaji, qui sont en train de partir de la maison, et il dit qu'il ne laissera pas cela arriver et dit que personne ne va gâcher la vie de son fils. De son côté, Yasmine est dans sa chambre, et son mari vient la voir. Il lui demande ce qui se passe avec elle, et lui demande de ne pas lui dire qu'elle a la migraine cette fois-ci. Yasmine demande si elle a fait quelque chose de grave, et il dit que c'est ça le problème, et dit que depuis quelques jours, elle ne fait plus rien. Il dit ensuite qu'elle ne réagit plus sur des sujets qui la passionnent souvent, et aimerait savoir la cause. Alors, Yasmine lui demande s'il est fou, et dit qu'il a passé le temps à lui demander d'être calme, et maintenant qu'elle le fait, il se plaint à nouveau. Alors elle se lève, et s'en va. Une fois Yasmine partie, il dit qu'il va chercher la raison de son changement d'humeur, prend le téléphone, et appelle Youssouf, et dit qu'il aimerait lui parler qu'une chose importante. De l'autre côté, Essay est dans sa chambre, en train de regarder les photos d'elle et de Yasine, et se rappelle également des mots qu'il lui a dit en journée, et coule des larmes, en disant qu'elle ne méritait pas qu'il la traite de la sorte. De son côté, Yasine est chez Ogu, et est en train de faire les tours dans la maison. Ogu lui dit que peu importe ce qui s'est passé avec Essay, il est sûr qu'il a une fois de plus tort, et dit qu'il devrait l'appeler. Yasine refuse, et lui dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Alors Céline l'appelle au téléphone, et il s'en va répondre. Elle lui dit qu'elle voulait savoir comment il va, après ce qui s'est passé avec sa copine, et dit qu'elle s'est peut-être trompée sur ce qu'elle a dit. Il dit qu'elle ne s'est pas trompée, et dit que c'est la raison pour laquelle il a mal. Elle demande alors s'ils peuvent se voir demain pour en parler, il lui dit non, et dit qu'ils se verront plus tard. De retour au salon, Ogu lui demande ce qu'il traite avec Céline, et il répond qu'il a des problèmes plus importants, et lui demande de ne pas lui parler d'elle. En voiture, Sinan est en train de discuter avec Yaji, et ils se disent que leur père ne va pas bien, malgré que ni lui, ni le chauffeur ne soient responsables de cet accident. De son côté, Neil est au téléphone avec Céline, et celle-ci l'explique ce qui s'est passé avec l'accident. Une fois terminé, elle va voir son père, et lui dit qu'ils doivent aller déjeuner demain matin à la villa, et dit ensuite qu'il n'a même pas appelé son ami, après ce qui s'est passé. Il dit qu'ils ne vont pas aller, car celui-ci n'est pas capable de contrôler son fils, et ainsi que son avocat. Neil lui dit que cela n'a rien à voir avec Sinan, et dit à son père qu'elle a jeté ses fleurs. Elle dit ensuite qu'il s'agit de son vieil ami, et dit qu'ils vont déjeuner à la villa, et s'en va. Une fois dans la chambre, elle voit les fleurs de Sinan, et demande ce qu'ils font là. Sa servante lui dit qu'elle n'a pas pu les jeter, car elles sont très belles. Puis, elle dit à Neil qu'elle aimerait discuter avec elle, et veut essayer de la faire avouer qu'elle a menti sur son agression, pour que le micro présent dans les fleurs puisse tout enregistrer. Elle dit alors qu'elle n'a jamais témoigné à la barre, et encore moins en mentant. Neil lui dit qu'elle va lui dire ce qu'elle va dire, et lui demande comment elle peut parler de faux témoignages, lorsqu'elle a déjà tout confirmé à la police. Elle dit qu'elle n'aura qu'à répéter ce qu'elle a dit à la police, et tout va aller pour le mieux. Elle dit qu'elle a comprise, et lorsqu'elle voulait partir, Neil lui dit qu'elle a menti, et dit qu'elle a également confirmé cela, et dit qu'elle est sa complice. Elle dit ensuite que si cela se sait, ils vont plonger ensemble. Alors sa servante regarde le micro, et espère qu'il a enregistré tous ses aveux. Alors, elle veut prendre les fleurs avec elle, et Neil demande de les laisser, et dit qu'elle va s'en occuper elle-même. Neil porte les fleurs, et les jette dans la piscine. De l'autre côté, Yaji est en train de discuter du problème d'Hassan avec son frère,
et lui dit qu'il ne va pas lui demander ce qu'il est en train de faire pour l'aider. Sinan lui dit qu'il ne va pas prendre l'avocat comme lui, et dit qu'ils ont des façons d'agir différentes. Pendant qu'ils discutaient, Hasan arrive près d'eux, et dit qu'elle est contente de les avoir trouvés ensemble, et leur demande de lui parler de l'avocat. Elle dit qu'elle aimerait savoir pourquoi Yaji a pris l'avocat pour elle, et pourquoi Sinan lui a caché la vérité, en faisant croire que c'était lui. Yaji lui dit que Sinan lui a demandé de l'aide, et dit que c'est ce qu'il a fait. Il dit qu'il n'a rien à ajouter, et lui dit bonne nuit. Puis, il entre dans l'ascenseur, et s'en va. Alors Hasan se trouve vers Sinan, et lui demande s'il a quelque chose à ajouter, et il dit que c'est la vérité qu'elle voulait, et dit que Yaji lui a tout dit. Hasan lui dit qu'elle ne veut pas de l'aide de celui qui l'a fait passer pour une prostituée, et dans la même occasion, elle dit à Sinan qu'elle ne veut plus de son aide à lui non plus, et s'en va. Alors, celui-ci court, et l'attrape par le bras, la regarde longuement, avant de la laisser partir. Une fois dehors, Hasan a envie de pleurer, et fait tout pour ressaisir ses larmes. De son côté, Sinan arrive à l'appartement, et demande à son frère pourquoi il n'a pas dit la vérité. Yaji lui dit qu'il ne voulait pas qu'elle souffre, à nouveau à cause de sa mère, et dit qu'il est passé pour un héros. Sinan lui dit que le diable ne passe jamais pour un héros, et Yaji lui demande s'il est réellement amoureux de cette fille. Sinan ne lui répond pas, et va dans la salle de bain, et dit qu'il ne peut pas être amoureux d'elle, et dit qu'il ne doit pas être amoureux d'elle. Le lendemain matin, Azim est dans sa chambre, et est en train de lire l'accident dans le journal. Puis, il prend le téléphone, et appelle, pour savoir si l'état de santé de Kerim s'est amélioré. Pendant ce temps, Céline est avec les employés, et est en train d'organiser le déjeuner, pour son père. De l'autre côté, Sinan arrive chez Neil, et les observe à distance. Ekrem dit à Neil qu'il ne va rester que 10 minutes, et dit qu'il ne peut pas s'asseoir à la même table que Sinan. Sa fille lui dit qu'ils seront en retard, et dit qu'ils doivent partir. Une fois parti, Sinan va vers la maison, et la servante le fait entrer. Une fois à l'intérieur de la propriété, il voit les fleurs dans l'eau, et il est dépité de voir ses efforts partir en fumée. De l'autre côté, Essay est dans la chambre avec Hasan, et elle lui dit qu'elle est partie voir Yaji hier, et il a dit que c'est Sinan qui lui a demandé de chercher l'avocat. Essay lui dit que s'il a parlé de la sorte, ce que c'est sûrement vrai. Puis Hasan lui demande de ne pas être comme ça avec elle, et lui demande ce qui s'est passé entre elle et Yazin. Essay lui demande si elle s'intéresse actuellement aux problèmes de sa sœur, et cherche à partir pour l'école. Une fois au salon, elle rencontre Fazilet, qui lui demande de prendre le petit déjeuner. Elle dit qu'elle va manger à l'école, et s'en va. Une fois partie, Fazilet vient voir Hasan, et lui demande pourquoi ses filles sont en colère de la sorte le matin, et Hasan lui dit qu'elle n'a rien à lui dire. Alors, Fazilet lui dit qu'elle a des choses à lui dire elle, et dit que sa sœur et Yaji sont amoureux, et qu'elle devrait l'encourager dans cette voie. Elle dit ensuite que Sinan et elle se tournent autour depuis longtemps, et personne ne prend réellement l'initiative. Elle dit que sa sœur l'a fait, et dit qu'ils sont amoureux. Alors, Hasan est perdu, et demande quelle chose insensée sa mère est encore en train de lui raconter, le matin de la sorte. De l'autre côté, Sinan dit à l'employé que tout est foutu, et dit qu'il ne peut rien faire avec cela. Il dit que cela n'est pas de sa faute, et dit qu'elle devra dire la vérité à la cour, et ne pas se préoccuper pour sa petite sœur. Alors, elle demande à Sinan s'il est vraiment sûr que sa petite sœur va continuer ses études, et il dit que si elle dit la vérité, sa sœur et elle vont intégrer la famille Anjanmen. Alors elle dit qu'il ne va pas attendre jusqu'au procès, et lui remet l'enregistrement, et dit qu'elle l'a enlevé, lorsque Neil a parlé de se débarrasser du bouquet. Il la remercie, et s'en va à toute vitesse. De l'autre côté, Azim est à table avec sa famille, et Céline lui dit qu'elle a fait tout cela pour lui, pour qu'il se sente un peu mieux. Puis Neil et son père arrivent, et il leur souhaite la bienvenue. Pendant ce temps, Hasan est en train de discuter avec sa mère, et Fazilet lui dit qu'elle est trop égoïste, et ne pense qu'à elle. Hasan lui dit que sa sœur n'est pas comme cela, et dit qu'elle ne peut pas lui faire cela, et encore moins à Yazin. Fazilet lui dit qu'Essay a comprise, et n'est plus avec Yazin,
Elle dit qu'elle les a vus à plusieurs reprises, mais a choisi de fermer sa bouche, car cela n'est pas le bon moment pour parler. Hasan lui dit qu'Essay ne peut pas faire cela à son amoureux d'enfance, et dit qu'elle sait à quel point elle déteste cet homme. Puis elle dit que sa mère n'a rien à foutre de la dignité de ses filles, et dit que tout ce qui l'intéresse, est qu'il soit riche, et dit qu'elle a pitié de sa mère, avant de partir. Une fois partie, Fazilet lui dit qu'une mère n'oublie pas ce genre de choses, et dit que le moment venu, personne ne va oublier cela non plus. Une fois dehors, Yazim tombe sur Hasan, et dit qu'il aimerait discuter avec elle au sujet d'Essay. Pendant ce temps, Hazim et les autres sont en train de dîner, et Ekrem dit qu'il ne voulait pas venir, et dit qu'il est là à cause de l'intervention de sa fille. Yasmine dit à Nil qu'elle a bien travaillé, et dit qu'elle a réussi à tout cacher ses bleus. Elle demande ensuite ce que cela va lui faire, de voir leur avocat défendre la fille qui lui a fait cela. Céline lui dit que ce n'est pas le moment de parler de ces choses-là, et Ekrem lui dit que c'est exactement le moment. Alors Gokhan félicite sa femme, et elle lui dit qu'elle est de retour. Ekrem dit qu'il va voir son vieil ami de longue date, supporter ceux qui ont frappé sa fille. Alors Yaji prend la parole, et dit que son père n'a rien à voir avec cela, et dit que c'est lui qui a envoyé leur avocat défendre cette fille. Pendant ce temps, Sinan est dans la voiture, et revient à la maison à toute vitesse. De l'autre côté, Essay est encore avec sa camarade, et est prise à nouveau de nausée, et lui dit qu'elle devait voir quelqu'un, et s'en va. Puis, elle se met à réfléchir, et est inquiète. Au déjeuner, Ekrem demande à Yaji pourquoi il a fait cela, et il dit qu'ils vont en discuter plus tard, seul à seul. Ekrem lui dit qu'il pensait qu'il était un garçon intelligent, et dit qu'il lui a dessus. Alors, Hazim propose à Ekrem d'aller en discuter autour d'un café, et celui-ci refuse, et dit qu'il s'en va, et demande à sa fille si elle vient avec lui. Alors, Sinan entre dans la pièce, et les salue. Tout le monde est surpris de le voir sauf Nil, qui a plutôt l'air contente de le voir. Elle le remercie pour les fleurs, et son père lui demande de venir avec lui, et dit qu'il ne discutera plus avec Hazim, et avec son fils, après le procès. Sinan lui demande d'attendre, et dit qu'il y a quelque chose qu'ils doivent entendre son père et lui, et les fait écouter l'enregistrement. Entendant son contenu, ils sont tous sous le choc. De l'autre côté, Yazim se plaint du comportement d'Essay, et dit à Hasan qu'elle a changé. Hasan lui dit qu'elle sait qu'Essay est allé voir ce type à cause d'elle, et dit qu'il doit la voir et discuter avec elle, et dit qu'Essay va tout l'expliquer. Il dit qu'elle n'a pas changé, et lui demande de ne pas s'en faire. De l'autre côté, ils écoutent tous l'enregistrement du début à la fin, et sont tous sous le choc. Alors Ekrem demande les excuses à Hazim, et dit qu'il n'y a plus de procès, et s'en va avec sa fille. Une fois dehors, Ekrem demande à sa fille pourquoi elle a menti, et dit qu'elle a besoin d'aide, et dit qu'elle est en train de devenir folle à cause de Sinan. Il lui dit que cela ne se fait pas d'accuser quelqu'un de la sorte, et entre dans sa voiture. Pendant ce temps, Guzid est avec Céline, Gokhan, Yaji, et Yasmine, et sont en train de discuter sur le sujet. Yasmine dit qu'il faut être folle, pour se blesser soi-même, et accuser une autre personne. Céline dit à Yaji, qu'il doit être content autant que son frère, car ils n'auront plus à souffrir pour cette fille. Yaji dit qu'il va lui dire cela pour la dernière fois, et dit qu'il a déjà discuté du sujet de l'avocat avec son père, et dit que cela ne la regarde pas. Elle dit qu'elle a comprise, et dit qu'elle s'en va à l'école.